Bonjour les amis YouTube, on se reprise pour une prise. On se retrouve pour une prise 2 de vidéo de duplication de clones GTA 5 en ligne en version plus court, j'espère. Fait que là, c'est parti. Je vais dupliquer mon compte Shamo Mode sur un nouveau compte. Fait c'est parti mon kiki en lance GTA 5. On se connaît sur le compte, bien sûr. Faut pas oublier celle-là. On appuie sur le petit bouton RB pour faire l'activité. On attend que le en ligne et le money store, les deux boutons là, disparaissent. Et après ça, on compte à 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On éteint la petite manette. On démarre le timer. Puis oui, aussi, faut vraiment pas oublier, il faut vraiment obligatoirement avoir la manette connectée avec un fil, parce que sans ça, vous perdez 3 secondes, puis ça peut vous faire le glitch. On attend jusqu'à 40 secondes. C'est 40 secondes qui fonctionnent le mieux pour ma part, ça sera la moyenne pour tout le monde. 40 petites secondes, on allume la manette. On appuie sur OK. Que là, on vient recevoir un trophée, c'est bon signe. Fait que là, faut pas oublier aussi, il faut obligatoirement avoir un ami d'une session sur AmiSI ou il peut y être en mode en ligne. Pas de différence, c'est juste qu'en mode en ligne, si la session est pleine, ça peut vous foirer le glitch. Mais bon, mais ça peut fonctionner quand même. Fait que là, je vais sur le profil à mon ami, je vais le rejoindre. Ça, c'est comme un mini-page de jeu de Rockstar, mais c'est pas si grave. Ok, moment de vérité. Tada! On a bien réussi la manipulation. La seule valeur, c'est le compte ici est juste niveau 116. Mais normalement, on peut acheter la minigun. C'est vraiment ce glitch est bugué pour ça. Wow, j'avais jamais remarqué le nom du PDG. Fait que là, on va sortir de par le rez-de-chaussée. Bon, fait la technique pour sauvegarder le compte, c'est tout simple comme bonjour. Vous placez une tenue différente. Lui, c'est un personnage fille. Donc, après ça, vous avez changé de tenue. Vous achetez des munitions pour sauvegarder l'objet. Max munitions. Puis après ça, vous allez prendre un véhicule ou quelque chose.
pour vous faire de la police, puis vous skipper la police pour avoir des niveaux. Ça va sauvegarder votre niveau. Bon, ainsi que madame, en jeu vers votre petit tour. Oh my god! Ah. I guess que. Ah, je pensais que j'avais même pas de C4. Nice. J'en ai. Fait que là, le recommandé, c'est minimum d'avoir 3 étoiles de police. Comme ça, tu peux être sûr de que ça sauvegarde. Ok. Une bonne fois, je vais pas me rendre à 3 étoiles. Ça sert à rien. Je suis peut-être moins pas cette fois-ci. Tant que tu gagnes de l'SP, puis on est good. Wow! Quel bel atterrissage! Je suis pas un chauffeur de dimanche. Bon, on attend que les policiers disparaissent. Nope. J'ai été chanceux. Bon. Fait que là, on vient gagner un peu de niveau. Fait que là, on va changer de tenue de nouveau. Fait que là, ça va faire comme une genre de sauvegarde de plus. Fait que là, on a vu dans le coin. On va quand même mettre une protection comme ça. Tac! Que là, on peut quitter GTA 5 après la dernière sauvegarde. C'est quand la voit dans le petit coin en bas. Ah ben, elle l'a pas encore vu. Bon, oui. On va quitter la session GTA en ligne. Puis normalement, ça va dire que ça va être sauvegardé automatiquement. Service to get paid. Bon, fait que là, je quitte mon GTA 5 pour le relancer pour vérifier. Mais normalement, tout devrait être correct. Je vais lancer mon histoire en premier, ça va plus vite. Là, on peut y aller dans une session invitation pour regarder si ça tout est good. Bon, voulez-vous modifier?
vérifier les parents sont en fait non. Oh, normalement, tout est good, ça sauvegarde. Donc là, on peut regarder nos stades. Alors, si on va dans les statistiques, on peut y aller en général, puis on voit que tout est good. I ain't got all day! Enfin, c'est ça qui complète la vidéo de jour. Salut!